Bonjour à tous, donc c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et donc on a décidé de vous faire un duo. Alors ce ne sera pas un duel, ce sera un duo et voilà, l'idée c'est de faire un peu un état des lieux et puis de débattre ensemble sur la question des explorations génétiques dans les maladies rares à l'heure de l'arrivée du séquençage au débit, donc panel versus génome, panel ou génome ou peut-être autre chose finalement. Donc on va commencer la présentation par un petit peu de génétique et puis après, on passera à l'hématologie, puis après, on fera les deux en même temps. Donc, avant l'arrivée du séquençage au débit, on avait le karyotype hein, et le séquençage Sanger. Alors, beaucoup pensent que, du coup, ces analyses sont obsolètes. Vous allez voir, enfin, on va discuter. En fait, il y a une place pour tout le monde ou pour chacun. Et maintenant, on a avec les analyses pangénomiques, eh bien, on a l'arrivée depuis pas mal d'années maintenant de la CGH et surtout du séquençage au débit. Donc on a un arsenal de technologies qui permet d'aller de l'analyse d'une base à l'analyse de milliers de bases. Et ça, c'est rendu possible grâce à la baisse des coûts qui est extrêmement importante en génomique, puisqu'on va arriver, hein, cette diapositive, je la présente maintenant depuis presque 6 ou 7 ans. Et à l'époque où elle était sortie, on se disait mais c'est complètement fou de penser qu'en 2025, on aura accès à un génome humain à moins de $100. Et ben on va y être en fait. Hein. Avec l'arrivée des nouvelles technologies d'Illumina, on sera à $100 le consommable pour un séquençage de génome. Donc qu'est-ce que le séquençage de débit? Eh bien en fait, sa particularité, c'est qu'elle permet de séquencer un bon nombre de gènes, voire un fragment de génome, voire l'exome. Donc l'exome, c'est 1% du génome, c'est-à-dire c'est l'ensemble des exons de tous les gènes du génome, et ou un génome entier. Donc elle offre des opportunités extrêmement différentes. Si on fait une comparaison, en fait, hein, eh bien, quand vous faites un séquençage de panel, vous allez à la pêche de plusieurs poissons. Quand vous faites un séquençage d'exome ou génome, vous lancez le filet, puis vous voyez ce que vous ramassez. Et vous ramassez à peu près tous les poissons. Et après, vous regardez ceux qui vous intéressent. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles en termes de quantité de données et donc de capacité, de nécessité de capacité bioinformatique. Donc si on se met dans la situation de qu'est-ce qu'on trouve et avec quoi on le trouve, eh bien, si on prend déjà la CGHRA qu'on a depuis pas mal d'années maintenant, ça permet d'identifier les délétions ou les duplications de petite taille du génome, donc ce qu'on appelle les copy number variants, c'est-à-dire les CNV. Si on prend l'exome, donc 1% de notre génome, toutes les parties codantes de notre ADN, dont pendant longtemps on a considéré que dans les maladies rares, 85% des mutations causales devaient être localisées dans ces 1% du génome. Probablement, l'avenir va revoir ces chiffres, mais c'est ce qui avait été estimé, mais souvent quand on a accès qu'à une partie des choses, on a une vision quand même un peu biaisée. Toujours est-il que l'analyse de l'exome, qui est du séquençage, elle permet d'identifier les variations ponctuelles, les petites anomalies de délétion ou insertion exonique dans les exons, hein, exoniques, et puis de la même façon les CNV, mais pas tous. C'est-à-dire que le taux de détection des CNV sur l'exome est de moins bonne sensibilité que sur la CGH. Donc l'exome ne remplace pas la CGH. Elle permet d'identifier une partie des CNV qui sont identifiables par la CGH. Et puis si on passe au génome entier, là quand on parle de petits fragments, c'est-à-dire que c'est la même taille de fragments de séquençage, vous voyez les petites barres là qui sont en dessous des exons que l'exome, et bien là ça couple les deux, donc là on peut faire les CNV, les SNV, les indel, les variations de structure, donc certains types de translocation et d'inversion et d'insertion, et on commence à appréhender la possibilité d'identifier des expansions répétées, des expansions triplées. La qualité des pipelines bioinformatiques est encore pas exceptionnelle, mais on arrive quand même à en détecter un certain nombre. Donc, si on se met dans la situation alors, de la déficience intellectuelle, je suis désolée, j'ai pas pu mettre l'hématologie parce que j'avais pas forcément les données. Et à titre personnel, la déficience intellectuelle est plus mon domaine de compétences médicales, donc c'est des données que j'appréhende plus facilement. Et bien, si on regarde en fait la progression en fait du taux diagnostique au fur et à mesure des technologies, et bien quand on utilise la CGH et l'XFRA, qui est la première cause de déficience intellectuelle,
intellectuelle en termes de prévalence, parce que c'est 1% des garçons et que c'est une analyse ciblée, c'est de la répétition de triplés, on est à 5 à 15% de diagnostic. Si on rajoute les panels, les petits panels de gènes, on montre à 10-12%. Et quand on va jusqu'au génome en trio, eh bien on arrive à un taux diagnostique, quand c'est utilisé en première intention, qui avoisine maintenant les 70%. Donc vous voyez qu'on a fait un bond énorme en quelques années en termes de possibilité de faire du diagnostic génétique. Donc quels sont les avantages et les inconvénients? Alors si on prend donc le test de gène unique, il a l'avantage d'être facile à appréhender. Il identifie les SNV ou les indels. Par contre, il ne va pas identifier les CNV, ni les remaniements de structure, ni certaines grandes anomalies. Il y a peu de variations de signification inconnues à interpréter. Donc, pour le biologiste, c'est plutôt facile. L'inconvénient, par contre, c'est qu'il n'identifie pas les mutations en mosaïque. Donc ça, c'est une limite pour un certain nombre de pathologies. Son coût est assez bas, il est facile à faire. Mais par contre, cette technique, elle se limite vraiment aux maladies qui sont très peu hétérogènes d'un point de vue génétique. Donc toutes les maladies maintenant dont on sait qu'il y a un certain nombre de gènes qui sont responsables, ce n'est pas du tout adapté. Mais ça a toujours sa place pour le diagnostic prénatal, pour le diagnostic présymptomatique, pour le conseil génétique, et puis pour certaines maladies qui ont des hotspots bien connus. Il n'y a aucune raison d'aller faire du séquençage au débit dans ces situations-là. La place du panel de gènes ciblés. Donc le panel, en fait, comme on le disait, c'est quelques gènes, une dizaine, une centaine. Eh bien, il a l'avantage d'être très peu coûteux, d'être avec une très bonne couverture. On peut descendre très très profond en termes de couverture génique, c'est-à-dire qu'on peut beaucoup plus facilement trouver des mutations en mosaïque, ce qui est beaucoup plus compliqué pour l'exome et le génome, à un coût beaucoup plus abordable. Par contre, il faut avoir choisi les gènes qu'on met dedans. Ce qui veut dire que son taux diagnostique peut être très variable en fonction de la probabilité que le patient ait une mutation dans l'un des gènes qui a été choisi. Donc il est très pertinent dans des situations où phénotypiquement, le patient est très typique. Quand je dis phénotypiquement, ce n'est pas forcément que cliniquement, une autre analyse biologique, une imagerie. Et donc on a déjà un point d'appel très fort vers les gènes qui sont disponibles dans ce panel. Le séquençage d'exomes, donc lui, c'est donc l'ensemble des exomes. Il est pertinent pour les maladies qui sont très hétérogènes, pour lesquelles ça coûterait aussi cher de faire un panel que de faire l'exome. Pour les maladies où on a encore beaucoup de connaissances génétiques à découvrir, parce qu'il a l'avantage qu'on a accès à tous les gènes, et donc du coup on peut réanalyser les données de façon régulière par rapport à l'avancée des connaissances. Donc ça, c'est aussi un avantage important. Et puis, finalement, quel est l'avantage du génome par rapport à l'exome? Eh bien, c'est surtout sur le type de variation supplémentaire qu'on peut trouver, car on a un certain nombre de variations qu'on peut trouver au génome, qu'on ne trouve pas à l'exome, qui sont les variations non exoniques, que ce soit introniques ou dans les zones de régulation ou intergéniques, et également les variantes de structure chromosomique. Alors, comme je vous le disais à l'instant, en fait, l'avantage des technologies de séquençage au débit pangénomique, que ce soit l'exome ou le génome, c'est la possibilité de réanalyser les données au cours du temps du patient sans refaire de prélèvement sanguin, puisqu'on conserve les données, ce qui n'est pas le cas du panel, puisque le panel, le nombre de gènes est fixe, et donc c'est assez rare de pouvoir retrouver de nouvelles choses avec le temps. Il y a cette méta-analyse qui est parue récemment, qui montrait qu'en fait, quand on réanalyse les données des patients, eh bien, dans un délai en fonction des indications, mais dans un délai de 18 à 24 mois, on peut monter en fait jusqu'à 7 à 10% de taux diagnostic. C'est-à-dire que si vous prenez les patients qui ont eu un rendu négatif ou de variation de signification inconnue et que vous réanalysez toutes leurs données avec une nouvelle annotation au regard des nouvelles bases de données et des nouveaux gènes qui ont été identifiés, eh bien entre 5 à 10% des patients passent d'un résultat négatif ou non concluant à un résultat positif. Ce qui est un enjeu extrêmement important, puisque
comme on va le voir maintenant, on met en place le séquençage du génome en France pour les patients qui en ont besoin. Et on a un certain nombre de patients qui reçoivent un résultat qui n'est pas positif. Et donc, il va falloir organiser, en plus du diagnostic de première intention, toutes ces demandes de réanalyse à terme. Donc l'avantage aussi des analyses pangénomiques par rapport aux analyses ciblées, eh bien, c'est qu'elles sont réutilisables en recherche, et notamment pour les patients pour lesquels on rend un résultat négatif ou non concluant en diagnostic sur les gènes qui sont déjà connus. Eh bien, on peut, par systèmes de partage de données et aussi de tests fonctionnels quand il y a des pistes intéressantes, eh bien, identifier de nouveaux gènes et donc revenir au patient et ainsi faire son diagnostic. Donc, quelles sont les explorations actuellement disponibles en France d'un point de vue génétique ? Donc, l'Agence de la biomédecine, chaque année, collecte en fait auprès des laboratoires de génétique de l'ensemble de la France les résultats, le nombre d'analyses et le résultat positif, négatif ou non concluant qui sont faits en fait en France. Et donc, vous voyez que ces données sont collectées auprès de 206 laboratoires, que ce soit pour la CGH, le séquençage de panel et d'exome. Ils ne collectent pas les données de génome, ce sera bientôt le cas. Et si on regarde en fait le type de panel qui est fait en France, eh bien finalement c'est le panel, ce qu'on appelle moyen panel, c'est-à-dire que vous avez une taille de séquençage qui est entre 20 et 100 kb. C'est celui qui est le plus fréquent. Et on voit que si on regarde les données d'exome en bas, eh bien, il y a 40 à peu près laboratoires maintenant qui font de l'exome en diagnostic en France. Et le nombre d'exomes rendus aux prescripteurs, eh bien, ne cesse de croître avec le temps. Ce qui pourrait poser question à l'heure où maintenant le génome est disponible. Mais il y a sans doute des raisons diverses et variées pour lesquelles le choix de l'exome est fait à la place du génome. Et probablement l'un des plus importants, c'est le délai. Donc, pour l'offre de génome en France, il y a maintenant la mise en place du plan France Médecine Génomique depuis quelques temps, qui s'appuie sur deux laboratoires de biologie médicale, qui sont Sequoia et Oragen. Sequoia assure en fait les analyses pour la partie nord-ouest de la France, vous voyez, qui est en espèce rose, on va dire. Et puis Oragen pour la partie sud-est et nord-est, qui est la partie violette. Donc, ils réalisent un séquençage de génome en profondeur 30x, plus ou moins en trio, ça dépend à la fois des indications, mais aussi des structures familiales, sur prélèvement sanguin, ce qui n'est pas sans difficulté pour certaines pré-indications. Il y a actuellement 60 pré-indications qui sont dédiées aux maladies rares, qui couvrent quasiment toutes les filières de santé maladies rares. Et en fonction des indications, ça peut être fait ou en première intention ou après d'autres analyses génétiques qui sont d'ailleurs assez variées, que ce soit des analyses ciblées ou que ce soit des analyses de panel. Et ça s'inscrit en fait dans un parcours de soins où le patient bénéficie d'une consultation déjà d'informations, où il y a une discussion RCP et validation RCP, et puis ensuite une prescription connectée, les prélèvements qui sont envoyés au laboratoire, une réunion de concertation clinico-biologique pour les dossiers un peu compliqués, et puis un compte-rendu de biologie diagnostique qui est envoyé au prescripteur. Donc, cette organisation s'inscrit dans un continuum soins-recherche, puisque vraiment l'intérêt majeur du séquençage pangénomique, c'est cette possibilité de réutiliser les données en recherche. Donc, se met actuellement en place la structure qui va permettre ceci. Elle a été officialisée et créée en décembre dernier. Ça a été un peu long d'un point de vue administratif et juridique. Et donc, il y a un collecteur, analyseur de données qui va regrouper l'ensemble des données de séquençage de la France issues des deux laboratoires, auxquelles, en fait, les personnes qui souhaitent réanalyser ou avoir accès aux données, en fait, peuvent, parce que c'est déjà mis en place, déposer des dossiers pour accéder aux données en recherche. Donc, maintenant, je vais...
Donc on va essayer de prendre un peu l'exemple des maladies de la filière Marie, en particulier, après je ferai un focus sur les déficits humilitaires qui est un peu ma paroisse. Alors évidemment, les maladies de la filière Marie ne font pas toutes l'objet de diagnostics génétiques. On a essayé de reprendre un peu celles où on avait retrouvé assez facilement les panels, ils ne sont peut-être pas tous ici. On voit que la taille des panels est extrêmement variable, certains on va se cibler que sur une mutation récurrente, d'autres où il y a quelques gènes, et les déficits immunitaires qui sont un peu la brebis galeuse, avec 480 gènes qui sont étudiés sur un seul panel. Donc on va voir que ça peut poser la discussion de la stratégie. Ce qui est plutôt positif, c'est que la majeure partie de ceux qui proposent un panel ont été inclus dans les pré-indications du plan France Génomique. Vous voyez, il peut y avoir une disparité entre Oragène et Sequoia, donc entre le nord et le sud, selon sur le nombre de dossiers envoyés. Certaines sont des pré-indications très nouvelles, donc ont encore pas de dossiers envoyés, et les déficits immunitaires qui sont quand même les plus représentés en termes de nombre de dossiers. Bien sûr, en fonction de ces maladies, il y a des problématiques qui sont différentes en termes de délai et d'urgence diagnostique du tissu qui est envoyé pour le séquençage, et certaines particularités au niveau des mutations recherchées. Ibrahima l'a rappelé tout à l'heure sur la téloméropathie, avec certaines mutations somatiques, avec une fréquence allélique vraiment très faible, qu'il va être très compliqué de trouver en génome, et on en discutera des différentes stratégies pour ça. Alors juste pour vous rappeler que même si ça reste des maladies mises dans des cases différentes, ça c'est issu du papier de Jean Soulier sur les inhérités de bone marrow failure, on voit qu'en fait il y a tout un spectre de gènes qui sont en fait complètement intriqués dans certaines maladies. Si on prend par exemple l'exemple de GATA2 qui est bien connu, ils peuvent rentrer sur le plan déficit immunitaire ou syndrome myelodysplasique ou bien neutropénie. Donc parfois c'est un peu difficile de savoir vers quel panel s'orienter. C'est un des avantages du génome, notamment dans ce type de maladie, c'est de pas avoir à choisir quel sera le panel le plus adapté à son malade selon sa présentation clinique. Alors pour prendre l'exemple des déficits immunitaires héréditaires, alors si on va regarder la page du plan France Génomique sur cette pré-indication, on voit qu'on a émis des critères pour que le patient puisse prétendre à avoir un diagnostic par whole genome sequencing. Donc évidemment, c'est toujours la même chose, il faut une interrogation avec un arbre généalogique étendu, un examen clinique complet fait plutôt par un spécialiste qui connaît le déficit immunitaire, des examens biologiques de routine, mais aussi quelques examens un peu plus spécialisés, type phénotypage lymphocytaire, ce qui est compréhensible. Et dans les critères qu'on avait décidé à la base, il y avait au préalable une première tentative diagnostique, soit par Sanger, soit par panel. On verra, peut-être on en discutera sur l'opportunité pour certains patients de passer directement au génome selon les délais de l'un ou de l'autre. Pour rappel, je vous ai déjà présenté ce graphique, les déficits immunitaires héréditaires, une des problématiques qu'on a, c'est que c'est extrêmement variable, il y a énormément de gènes qui peuvent donner des présentations cliniques extrêmement différentes. Alors nous, on a l'expérience quand même depuis quelques années du panel qu'on a utilisé et mis en place depuis 2015. Donc il était dans une phase de test entre 2015 et 2018, comme on le voit sur le graphe. Et ensuite, on l'a mis en production, donc c'est-à-dire en passant directement tous les cas index à partir de 2019 sur ce panel-là. Donc on avait au départ un panel de 300 gènes qu'on a un peu divisé avec deux sous-panels. Et finalement, ils sont revenus à un panel unique il y a quelques temps pour des raisons pratiques, pour passer tous les patients sur sur la même stratégie. Donc vous voyez que quand on ouvre ce diagnostic au cas index directement, on a une augmentation assez rapide du nombre de patients séquencés, et donc on peut s'attendre à avoir une augmentation du même ordre, même si là on est vraiment sur le début du génome. Tous ces patients qui n'auront pas de diagnostic peuvent ensuite aboutir sur du génome. Sur cette cohorte de patients qu'on avait publié, on avait un taux diagnostic d'environ 30%,
Et ce qui est assez intéressant, c'est que on avait quand même sur le type de variation retrouvée un nombre assez important de CNV. Donc c'est pour illustrer vraiment l'importance de ces techniques de séquençage ODB, que ce soit panel, exome ou génome, et qu'il faut une détection correcte des CNV pour ne pas louper un certain nombre de patients. Alors quand on regarde le registre du CRDI, on a une identification génétique qui est au-delà de 50%. Après, à prendre avec des pincettes, parce que probablement que dans ces 50%, Nizar me corrigera si je me trompe, il y a aussi les cas familiaux qui sont inclus et donc qui ne sont pas considérés, comme nous on avait passé que des cas index sur les 30%. Il y a aussi des variabilités selon l'âge du patient. Les patients très jeunes ont plus de diagnostics génétiques que les adultes, et selon le type de présentation clinique. Et si on regarde un petit peu toutes les autres études qui ont fait du NGS, donc soit en séquençage ciblé, soit en exome, sur les patients avec un déficit immunitaire, on voit que finalement il n'y a pas, enfin le taux diagnostique aussi autour de 25-30% chez à peu près tout le monde, avec un petit peu de variabilité, mais pas de grands écarts, et qu'il n'y a pas de grande différence entre le panel ou l'exome si on met un filtre sur les données de l'exome en mettant que les gènes connus à un instant T. En revanche, ce qui est assez intéressant et plutôt une bonne nouvelle, c'est que en regardant l'évolution du taux diagnostic en fonction de la date de publication, on a une augmentation assez nette du taux diagnostic. Donc on voit bien que toute la caractérisation des nouveaux gènes, l'amélioration des techniques et des pipelines bioinformatiques a un vrai impact sur le taux diagnostic qu'on peut avoir chez les patients. Donc, comme je vous disais, en fonction de la présentation clinique, on va avoir un taux diagnostic qui peut être différent, avec par exemple un taux diagnostic chez les DICV et les DFOB. Alors là, je pense que les camemberts sont pas, il y a des petites erreurs au niveau des camemberts, mais beaucoup moins d'identification génétique sur les déficits B ou les DICV. Donc on va avoir quand même une grosse cohorte de patients qui vont avoir des tests négatifs en panel et qui vont pouvoir bénéficier de ce génome. Alors ce génome, il est discuté, l'indication du génome est discutée en RCP. Il y a deux RCP nationales séparées en fonction de Oragen et Sequoia, avec deux biologistes identifiés à présent sur le nord et sur le sud, donc Capucine Picard et Jérémy Rosin, qui s'occupent du génome au niveau de Sequoia, et Maud Tussaud qui travaille à Lyon avec Alexandre Belot, et moi-même à Toulouse. Alors pour ce qui est de l'exemple d'Oragen, pour vous donner une idée, on a pour l'instant 25 dossiers prescrits depuis 2 ans, donc ça démarre lentement, mais on essaye de participer au RCP pour essayer de motiver les prescripteurs à prescrire des génomes pour les patients qui n'ont pas de diagnostic génétique et qu'ils veulent explorer. On a un nombre de prescripteurs qui est quand même relativement réduit. En fait, c'est toujours les mêmes avec qui on travaille. Donc, il faut essayer d'étendre un peu ça aux prescripteurs qui n'auraient pas eu connaissance de cette possibilité du génome. On est deux biologistes, donc comme je vous l'ai dit. On est plutôt à jour sur les dossiers. On a plus qu'un dossier à rendre. Et on a un taux de diagnostic positif d'environ 20%, en sachant qu'il s'agit de patients pour l'instant qui ont eu déjà des explorations génétiques avant ça pour la plupart. Donc ça reste un taux de diagnostic relativement important dans ce cas-là. Et juste pour vous donner un exemple d'un diagnostic qu'on a fait récemment. Alors c'est pas du tout un diagnostic qui n'aurait pas pu être fait en exome ou qui n'aurait pas pu être fait sur un panel sur des caractéristiques foncièrement techniques. C'est quelque chose qui aurait pu être vu avec n'importe quelle autre technique. Simplement, c'est pour vous illustrer en fait l'errance diagnostique qu'ont pu avoir certains patients avant ce dépistage-là. C'est un patient que je pense Nathalie Aladji reconnaîtra puisque c'est elle qui l'avait envoyé, donc qui avait un patient de 10 ans qui avait une maladie inflammatoire de l'intestin à un début très précoce, une lymphopénie, une hypogamma et une surdité.
10 ans d'errance diagnostique, il avait eu pas mal de choses, donc un séquençage ciblé TTC7A, où là on allait vraiment à la pêche, comme Christelle le mentionnait. Un panel NGS plutôt ciblé sur la surdité, parce que c'était un des traits de sa maladie. Un panel NGS ciblé sur le déficit immunitaire, c'était l'autre partie de sa maladie. Donc vous voyez, on a multiplié un peu les panels sans succès. On a même exploré un variant de signification indéterminée dans le gène de la myeloperoxydase, donc qui a fait perdre probablement du temps à des gens là-dessus, pour au final faire un génome et trouver assez facilement une mutation de novo, donc qui est présente que chez le patient et pas chez ses parents, et qui en fait avait été publié, ce même type de mutation avait été publié en 2021, donc ce qui expliquait qu'elle n'était pas présente sur tous les panels qu'on avait fait auparavant, parce que l'inconvénient majeur d'un panel, c'est qu'il doit être mis à jour régulièrement. Et à chaque fois qu'on met à jour le panel, il faut donc racheter les réactifs de capture, etc. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. Alors, tout ça pour dire, est-ce qu'il y a encore un avantage au panel NGS? Il peut y en avoir, d'autant que, alors pour un nombre spécifique peut-être de variants, notamment les variants homozaïques, c'est quelque chose qui est de plus en plus décrit, et notamment dans le déficit immunitaire et dans des maladies auto-inflammatoires. On a quelques descriptions, notamment je vous donnais l'exemple de quelque chose de très récent, la maladie par des mutations gain de fonction sur TLR8 qui ont une fréquence allélique de 8 à 26%, donc compliqué à voir quand on a une profondeur de 30x, ça peut représenter 2 ou 3 rides sur du sang total, et qui va donner des aplasies, des neutropénies, des anomalies type de lymphoprolifération, auto-inflammation et des défauts immunitaires. Donc c'est des malades que vous pouvez rencontrer dans votre pratique qui est un peu à l'interface de certaines filières. Et donc ces patients-là, probablement que ce sera préférable de les analyser en panel qu'en génome, et probablement qu'il y a d'autres maladies de ce type-là qui ne sont pas encore découvertes. Il y a la description du VEXAS syndrome par exemple assez récemment aussi. Alors le génome, c'est pas non plus la panacée, ça reste du séquençage par fragmentation, donc c'est des petits fragments d'ADN qui sont séquencés et ensuite raboutés, ce qui fait que toutes les régions de forte homologie, donc qui ont par exemple des pseudogènes très ressemblants, vont avoir du mal à être alignés sur le génome. C'est par exemple le cas d'un déficit assez connu dans le monde du déficit immunitaire, qui est le déficit en NEMO par mutation sur IKBKG, et qui a le désavantage d'avoir un pseudogène qui couvre 80% du gène. Et donc quand on trouve une variation, on ne sait pas si c'est sur le pseudogène ou vraiment sur le gène. Dans ces cas-là, on a une assez mauvaise couverture en génome, comme on le voit ici, tous les gènes avec des carrés rouges. Et la technique qui reste la technique standard, ça reste la longue PCR, donc par une technique de PCR classique, suivie d'une PCR nichée et un séquençage Sanger qui permet d'être sûr de se retrouver vraiment sur le gène et pas sur le pseudogène. Donc il persiste quand même des avantages au séquençage Sanger, même s'ils sont de plus en plus limités. Alors il y a probablement des évolutions à venir, on pourra en discuter tous ensemble. Concernant notamment la place du génome par rapport au panel, d'autant plus si les panels sont très importants, on va pouvoir se poser la question du rapport coût-bénéfice entre les deux, surtout si le génome permet d'avoir une filière urgente et des diagnostics relativement rapide, avec une filière semi-urgente qui essaye de se mettre en place avec on essaye d'avoir des génomes pour certains cas disponibles en un mois. Voilà, je vais repasser la parole à Christelle pour la conclusion. Alors j'espère qu'on vous a convaincu que en fait maintenant l'enjeu ça va être la juste prescription du test génétique, c'est-à-dire que c'est pas tout génome, non, mais c'est pas non plus tout panel, il faut trouver l'équilibre entre les deux, et je suis foncièrement persuadée que ça donne encore plus de place au centre de référence et au centre de compétences, parce que c'est d'abord la clinique qui nous guide et qui guide la prescription.
Parce que maintenant, en fait, l'enjeu, au-delà de l'aspect de la juste prescription et des techniques, hein, c'est de rendre tout ça accessible à l'ensemble des patients. Et ça, ça va être l'un des enjeux, notamment du nouveau plan maladie rare 4, enfin du futur plan maladie rare 4, d'augmenter l'accessibilité, en fait, pour les patients de ce diagnostic génétique. Parce qu'il y a, je vous le disais en tout début, il y a des nouvelles machines qui arrivent sur le marché. Alors Illumina fait beaucoup de promotion parce que c'est américain, hein, mais il y a d'autres constructeurs qui emboîtent le pas. Et clairement, le génome va devenir extrêmement peu cher en termes de technologie à l'avenir. L'autre enjeu qui ne sera pas des moindres, ce sera la ressource des biologistes experts pour interpréter et rendre ces données. Qui sera bien un enjeu bien plus difficile et important que l'enjeu technologique. Et puis au-delà du séquençage short read, on sait que ce séquençage short read, il détecte pas tout non plus. Et bien, on voit arriver d'autres technologies, hein, qui sont notamment le séquençage long read. Donc cette fois-ci, vous fragmentez, mais dans des fragments beaucoup plus longs, ce qui permet plus facilement d'identifier des remaniements de structures chromosomiques et aussi la cartographie optique. Donc ça reste des technologies pour l'instant qu'on utilise plutôt dans le domaine de la recherche translationnelle sur des essais cliniques pour les tester, mais elles vont avoir à terme aussi toute leur place en diagnostic et ça va nécessiter d'être évalué dans les années qui viennent. Je crois qu'on a fini. Donc merci de votre attention. On sera ravis de prendre des questions.